Bonjour et bienvenue dans Grand Angle. C'est au centre Jean-Marie Tjibaou que vous allez retrouver aujourd'hui notre groupe de jeunes néo-zélandais originaires de Darfield et leur correspondant de Wegoa. Pour beaucoup d'entre eux, la visite de ce lieu entièrement dédié au patrimoine archéologique et linguistique kanak est une grande première. On regarde. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes au centre culturel Tjibaou. On est venu pour visiter le centre culturel. Là, les autres ils sont partis faire la coutume comme le geste de bonjour. Et puis on va passer toute notre journée ici à faire des activités, raconter des histoires et tout ça. À l'école. J'avais des choses, c'est-à-dire une autre mode de vie. Sophistiqué, on va dire ça comme ça. Dès que vous rentrez ici, ici à la maison, c'est la coutume. On a fait la coutume, on est rentré dans la case du sud. Le chant qu'on a fait quand on est arrivé en Djéhou, parce que moi et Steve on vient de Djéhou, alors c'est un chant d'accueil, c'est pour accueillir en fait les gens à l'intérieur de notre maison, dans notre tribu. On a lancé un grand concours à travers international pour trouver des architectes qu'ils puissent créer le centre culturel. D'accord ? Renzo Piano a été retenu. Donc lui, quand vous allez voir les cases modernes qui sont là-haut, c'est inspiré de ces cases-là. C'est pour ça que dans notre visite, on va commencer par les cases traditionnelles, vous expliquer comment est construite une case traditionnelle, pour ensuite faire la comparaison avec la case moderne et voir s'il a respecté la tradition. C'est une case de chef ici. Ça fait que quand tu rentres dans la case du chef, eh ben, tu te rabaisses devant le chef et devant les gens qui sont ici. Et puis parce qu'en même temps que tu te rabaisses, eh ben tu marques un respect aussi pour toi aussi. Parce que quand tu te rabaisses, c'est pas pour te rabaisser. Tu te rabaisses aussi pour dire comme ça que tu es quelqu'un d'important. Parce que même quand tu rentres dans une case d'un chef, mais toi aussi, toi, tu viens d'un autre endroit. Et dans cet endroit-là, toi aussi, tu es chef. They said when you come in the traditional house like that, you will see there's a big trees there, the trunk there will represent the chief, the eight chief in the tribes, and all the others one you can see around, they all represent the tribes and also the chief, the family chief clan. And this house like that is just a meeting house, only men and boys they go inside it, but men and women are not allowed to go in the traditional house, they stay out of the gate you could see when you entered this morning, you saw that gate there, this will be the gate. Women, ladies, and all the other persons who are not concerned by the meeting, they stay out. In a traditional house like that, we have three types of spirit. We have under the floor, we have the spirit of the land. In the seawater, we have the spirit of the seawater. And up out of the house, we have the air spirit. Because in this house, we all have to work with the spirit. And the missionary, when he came here many years ago, and 160 years ago, was our ancestors who were here, they already have the kind of spirit, the kind of belief. They believe about the spirit of the land, spirit of the nature, the sea animals. And it's why after when they finish a meeting in a traditional house, they just have to say Oleti, but he said Oleti in his native language. And I can just say that word. But Oleti, that means thank you very much. Thank you for the spirit. Dès qu'on a posé le poteau central, on tire une corde et au bout de cette corde, on place le premier poteau. D'accord ? Et tous les pas, on en place un. D'accord ? Ces poteaux vont représenter les différents clans. Donc on va poser d'abord la panne sablière pour tenir tous ces poteaux. Dès qu'on a posé cette panne sablière, on va monter tous ces grands chevrons jusque là-haut. Et en haut, on a la corbeille. D'accord ? Dès qu'on a fini ça, on va rajouter les golettes.
pour pouvoir coudre, et je dis bien coudre, la paille bah, sur ces golettes-là en fait. Retenez bien l'intérieur de cette case. On va faire la différence après avec les cases modernes qui sont là-haut. D'accord ? Avant que vous vous endormiez, on va se lever et on va poursuivre notre balade. D'accord ? D'abord, on a visité la case du sud. Après, on a regardé l'architecture des cases. On a fait ce matin de la visite architecturale pour qu'ils puissent voir la différence entre une case traditionnelle et la case moderne du Centre culturel Tchibao. Cette visite nous a permis de voir les différentes salles d'exposition et également le cerveau du centre. Maintenant, je vais vous demander de regarder là-haut. What's up? Look up, just there. Est-ce que vous voyez le sommet? Est-ce que vous voyez le sommet? Can you see the top? No. Curve. Yes. C'est curve. Qu'est-ce que vous voyez? On a trois matériaux qui sont sur cette case. Bois. Yeah. Du métal. Et du verre. Wood, glass and iron. D'accord? Maintenant, je vais vous demander de venir par ici. Comment ce soir là? Sit here. Laura. Sit down. L'architecte qui a construit le centre s'appelle Renzo Piano. Madame Forichard m'avait dit que en fait il s'est inspiré des cases culturelles en faisant ces cases arrondies parce que déjà le premier point c'est pour que quand il y a les cyclones, il a fait arrondir la case comme ça quand le cyclone il arrive, le vent il arrive, ben il vient sur les côtés. Et puis la case qui n'est pas terminée, ça veut dire que je crois que l'avenir est encore lent ou la vie ou quelque chose comme ça. L'avenir est entre nos mains ou quelque chose comme ça. When you feel where the winds came from where? From which coast? De la mer. Ils viennent de la mer. D'accord? C'est pour ça qu'on a mis ces cases-là ici. Parce que le vent arrive d'ici. D'accord? They built the houses there because the winds came from the sea, came from the lagoon, came from the ocean. Dans ces cases-là, on n'a pas de clim. C'est... houses, there's no air conditioner. On va utiliser le vent pour se rafraîchir. Ils ont choisi la maquette de Renzo Piano parce qu'il était le seul qui respectait la nature. Parce que les autres, je sais pas, peut-être eux c'était histoire de faire des grands immeubles et tout ça. Mais lui, il a tout fait, c'est juste du métal, du béton et du bois. Et un bois, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais celui-là, malgré qu'ils ont construit les cases avec, et il ne pourra jamais être pourri. Et même s'il l'entretient pas, il ne sera jamais pourri. Ce bois-là, c'est de l'iroko. C'est un bois imputrescible. Un quoi ? Imputrescible, qui ne pourrit pas. Il ne pourrit pas. Donc, depuis la construction du centre, on n'a jamais changé ce bois-là. Il n'est pas entretenu non plus. Cette case est consacrée à l'œuvre de Jean-Marie Tchibao. Ok, this house is dedicated to Jean-Marie Tchibao. Au-delà de son combat pour l'avenir du pays. After this fighting about the future of the country's future. Comme Patou vous l'a dit tout à l'heure, cette année en fait les 40 ans. As Patou told you before. This year we celebrate the 40 years of the Kanak culture. Le festival Mélanésia 2000, qui était très important pour nous en tant que Kanak, parce que c'était la première fois que la culture Kanak s'est montrée.
Avant, on disait qu'elle était taboue et tout. Et c'est la première fois pendant ce festival qu'on montrait vraiment la culture kanak. Quand on est rentré dans la salle où il y avait les maquettes, on s'est mis tous en rang pour représenter que Jean-Marie Tibaou a fait ce combat pour pouvoir faire ressortir la culture kanak, parce que si on ne montrait pas notre culture à nous, c'est comme si on n'existait pas dans le monde. Alors il a décidé de faire ressortir notre culture. Et on s'est tous tenus la main pour dire que Jean-Marie, ben, il a combattu tout pour réussir à faire le centre culturel Tibaou et faire ressortir notre culture. Le combat que Jean-Marie Tibaou a mené, c'était pour arriver à ça. D'accord ? Déjà là, c'était assez compliqué. Vous voyez les garçons, il faut aller vers les autres. D'accord ? Pas avoir peur ! D'accord ? Maintenant que tout le monde s'est présenté, on s'est tous serré la main, on se serre les coudes. Maintenant, on est de la même famille. D'accord ? Que ce soit Kiwi ou soit Kagou. Ou Kagou. D'accord ? Kiwi ou Kagou, on est ensemble. Et on fait partie, à partir de maintenant, de la même famille. On dessine avec ça. La pointe, c'est pour dessiner. Ok ? La pointe, c'est pas pour piquer son voisin. C'est très dangereux. Ok les enfants ? Enfin, je ne vais pas dire les enfants, je vais dire les jeunes, hein, parce que vous êtes assez grands déjà. Hein. C'est les enfants, c'est tous les tout petits. Ça, on appelle le noix de Bonkoul. Le Bonkoulier, vous avez dû rencontrer. Alors la graine, on va casser, on va récupérer la chair à l'intérieur. On va la griller au feu, hein, à la poêle, ou dans une poêle ou dans un récipient pour la rendre noire, noircir, et va devenir comme de l'encre. Et on va faire passer sur les dessins, on va l'appliquer sur les dessins qu'on a fait. Et à la fin de ce dessin-là, et je ne vois pas les chiffons, Patou ne m'a pas emmené les chiffons. Bon, je vais faire chiffon avec ma main. Ouais. Ok, ben voilà le résultat que ça donne. Il va ressortir les dessins que vous avez fait. Vous avez vu ? Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai fait un atelier de bambou gravé avec d'initier le bambou gravé aux enfants de Wegwa ainsi que leur correspondance de Nouvelle-Zélande. Ça s'est bien déroulé, mais voilà, et comme ils étaient trop nombreux par rapport au bambou qu'on avait, on a essayé de mettre, comme ils étaient 30 en tout, on a essayé de mettre 10 personnes par bambou. Et puis on leur a demandé de raconter une histoire, l'histoire qu'ils ont de leur rencontre. Et puis de leur rencontre déjà au départ de Wegwa, en venant sur Nouméa pour visiter la grande maison de richesse, qui est le centre culturel Tibaou. Et s'il n'y a pas assez de compas, les jeunes, on prête un peu aux copains. Comme ça, ils vont faire un peu leur petit truc dessus. Hein. Avant, les vieux, eux, ils n'avaient pas de feuilles. Donc, pour communiquer ensemble, ils gravaient tout sur les bambous et pouvaient se communiquer entre eux. Sur mon bambou, j'ai écrit notre départ de Wegwa et arrivé à Nouméa, notre séjour à l'hôtel et notre départ de ce matin pour aller au centre culturel Tibaou. Les consignes ont été très bien respectées parce que j'ai vu à travers les Néo-Zélandais comme ils ont bien compris. Pourtant, je ne leur ai pas parlé en anglais, quoi. Hein. Et ce qui m'a beaucoup marqué dessus, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est un des Néo-Zélandais qui a dessiné l'avion qui quittait la Nouvelle-Zélande. Il a bien dessiné la Nouvelle-Zélande. Et l'avion entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie avec les flèches qui montraient la direction qui partait en Calédonie. Et a envoyé le poignet de main entre deux jeunes enfants. Ça fait rappeler un peu au poignet de main de Jean-Marie Tibaou et Jacques Lafleur. Faisons
L'après-midi a commencé avec le parcours initiatique de Théa Kanaké. Donc on a fait le chemin Kanak et expliqué le parcours initiatique de Théa Kanaké durant les différentes étapes. On a vu de la naissance à la renaissance. Il y a une fille qui est née dans une famille. On fait un bouquet de cette plante-là qu'on enveloppe avec les peaux de niaouli. Et ce bouquet-là est juste allé présenter à l'oncle maternel. Et l'oncle maternel, juste quand il reçoit ce bouquet, il sait qu'il y a une fille qui est née dans la famille de sa sœur et il va aider sa sœur à trouver le prénom de la fille. Mais quand ce bouquet-là est enveloppé et accompagné d'une pointe de sagaie, ça veut dire que c'est un garçon qui est né dans la famille de sa sœur. La visite du chemin Kanak s'est bien passée parce que la femme qui s'appelle Angèle, c'est une fidèle des pins. Elle explique bien qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment ça a été, durant quelle année, à telle année. Elle explique bien, puis on arrive mieux à comprendre l'histoire de quelque chose qu'on voit. J'ai retenu la visite de la dent de la lune et puis l'igname. Dans son évolution sur les différentes étapes, l'esprit et les lutins ont appris à Théa Kanaké comment cultiver sa terre, comment travailler la terre pour survivre, comment planter des taros, également comment planter l'igname, parce que l'igname va rester le principal aliment pour les Kanaks, mais également le principal présent, le principal cadeau que tu vas emmener, que ce soit dans un deuil, dans un mariage ou dans toute fête traditionnelle, ce sera le tubercule que tu vas emmener pour faire l'échange coutumier. Il n'y a pas d'igname à Wengwa ? Si. Ah. L'atelier qui m'a plus marqué, c'est le chemin Kanak. Parce qu'il y a des trucs qu'il ne faut plus faire et ça nous apprend des choses. C'est le faux-manguier, c'est cet arbre-là que ils disent que dans le mythe d'origine de Théa Kanaké, ils disent que c'est de ce fruit-là que Théa Kanaké a mangé et qu'il est passé de l'autre côté, dans le pays des morts. Et qu'à son retour, il nous a appris ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pour nous cette visite du centre culturel Chibao aujourd'hui. Donc nous voulions permettre aux élèves néo-zélandais de découvrir la culture Kanak et également pour nos élèves de visiter le centre culturel Chibao. L'aspect culturel, ça va leur apporter aussi des connaissances non négligeables pour leur épreuve qu'ils auront en histoire des arts en troisième, au niveau de l'architecture, l'histoire de l'accord de Nouméa, Chibao. Il est toujours très important de partager la culture Kanak, mais également par rapport à la conception du centre culturel. Montrer notre culture aux enfants des autres pays, c'est s'ouvrir sur le monde. Donc le centre culturel est là pour que nous, Kanak, on puisse montrer notre culture, mais également qu'on puisse partager avec les gens qui viennent des autres pays notre vie en Nouvelle-Calédonie, mais notre vie en tant que Kanak. On s'est vu ce matin déjà, hein? Bon, rebonjour. Là, on va faire quelque chose de différent. Ok? On va danser un peu. Ok? Alors, je vais vous demander de ne pas vous appuyer contre le faré, parce que le faré tient tout seul, c'est magnifique. Hein? Allez, mettez-vous au milieu, au centre, là. Prenez l'espace. Un peu difficile parce que c'est trop du truc genre jeune du quartier, hip-hop et toute la clique là. Enfin genre ça, comme ça. Après les trucs de hip-hop et puis ben comme nous on n'est pas trop habitué à ça, ben je pense que pour moi c'était pas trop net. On a fait quand même l'effort de participer et on a caché notre fatigue.
à nous, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tetris. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. C'est la première fois que je visite le centre culturel. J'étais content, c'était net. C'était agréable parce que au moins les gens d'un côté on rend un peu hommage à Jean-Marie Tchibao. Et puis ben j'espère que de là où il est, ben je sais pas, il est content. Journée bien remplie. Dans notre prochain numéro, vous retrouverez nos jeunes collégiens en pleine baignade. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. À bientôt.